Salut à tous et à toutes, ici BleuBest pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le jeu Hearthstone Heroes of Warcraft, un jeu de cartes à collectionner qui est uniquement en ligne et qui est actuellement en bêta fermée, qui ne le sera plus d'ici un mois, c'est-à-dire d'ici le mois de décembre. La bêta sera ouverte et ouverte au grand public, c'est-à-dire que tout le monde pourra jouer. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de galérer pour essayer de trouver une clé pour pouvoir accéder au jeu. Moi j'ai eu la chance, j'ai eu la bonté de quelqu'un sur le forum de jeuxvideo.com et qui m'a offert une clé. Du coup j'ai la possibilité maintenant de vous faire des vidéos. C'est vrai que j'ai été absent pendant un très long moment. Pourquoi j'ai été absent? Parce que tout simplement j'avais un manque de motivation, je savais pas quoi vous dire, quoi vous faire. Du coup maintenant je vais repartir sur du nouveau. Maintenant je vais faire beaucoup de vidéos de Hearthstone parce que j'adore ce jeu, j'adore les jeux de cartes en général. C'est vrai que je me suis pas tellement intéressé que ce soit par exemple à Duel of Champions ou Might and Magic, enfin pas Might and Magic mais Magic le jeu de cartes ou Yu-Gi-Oh. Je n'ai pas fait de vidéo sur ces jeux là parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup à Yu-Gi-Oh. J'étais vraiment un très grand fan, j'avais vraiment beaucoup de cartes hein, comme la plupart des gens je pense. Et je me suis dit voilà, ça pourrait être intéressant parce que voilà, j'adore le jeu. Et je me suis dit Hearthstone, voilà, ça va être un bon jeu. Donc voilà, donc ça va être beaucoup. Je vais faire beaucoup de vidéos sur ce jeu. Je vais essayer d'expliquer, de vous présenter des decks, de faire d'ouverture de boosters, faire des parties contre des joueurs, faire de l'arène et tout ça. De toute manière, vous inquiétez pas, les amis. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors déjà, je vais vous essayer durant cette partie, on va vous expliquer le jeu en général. C'est-à-dire, je vais lancer une partie contre l'IA, hein, les amis, parce que quand on est contre, enfin, dans Hearthstone, quand on est contre l'IA, on a largement le temps de jouer. Je vais pouvoir vous expliquer le jeu en général, enfin en global, hein. Ça va être vraiment une découverte du jeu, hein. Et après, durant les prochaines vidéos, j'ai acheté 15 boosters, on va les ouvrir sous vos yeux. Je vais vous présenter aussi les cartes que j'ai, le deck que j'utilise en ce moment. Bon, enfin bref, j'ai plein de choses à vous montrer. Et donc déjà, on va aller dans le mode entraînement déjà. Je me suis préparé un deck chasseur, donc c'est un deck lâcher les chiens. Bon, il est pas vraiment complet, bon, il est pas compétitif du tout. C'est pas un deck que je joue, je l'ai créé comme ça. C'est pour ceux qui connaissent Hearthstone, c'est un deck lâcher les chiens. C'est avant la mise à jour que Blizzard a annoncé pendant la BlizzCon, donc voilà, on va choisir le deck chasseur. Donc là vous allez voir, déjà pour vous dire que vous avez déjà plusieurs classes dans le jeu Hearthstone, enfin plusieurs héros, parce que ça c'est pas vraiment une classe, c'est vraiment un héros. Donc on va choisir notre deck chasseur, voilà comme fait. Et là vous avez vraiment tous les héros disponibles dans Hearthstone, enfin les decks, enfin les héros principaux, hein, voilà. Donc vous avez le démoniste, le paladin, le voleur, le prêtre, le druide, le chaman, le guerrier, le chasseur, le mage. Chaque deck, enfin chaque héros a des cartes qui sont à lui. C'est-à-dire que par exemple, le mage va être un lanceur de sorts, le chasseur ça va être plutôt un deck orienté vers les bêtes, c'est des monstres de type bête, le guerrier ça va être plutôt une classe qui va s'équiper beaucoup d'armes, qui va attaquer avec des créatures, enfin des serviteurs, on appelle ça des serviteurs dans Hearthstone, des serviteurs qui ont char, c'est-à-dire dès qu'ils sont invoqués sur la table, et ben ils pourront directement attaquer. Le chaman, lui, ce sera plutôt, il invoquera des totems, les totems qui lui permettront de booster ses capacités, c'est-à-dire soit il y a un totem qui a provocation, un autre totem qui a plus un dégât des sorts, un autre qui va soigner vos créatures, enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment un deck qui peut, qui est basé sur la surcharge. Je vous expliquerai plus tard pour qu'est-ce que c'est la surcharge. Le druide est basé sur le boost de créatures, l'invocation de créatures. En fait, je veux dire, et plutôt, c'est un deck qui est, sur
Vous avez des cartes par exemple, et vous avez sur la carte il y a marqué choix d'armes. C'est-à-dire que vous avez le choix entre invoquer une créature souvent, ou la booster, ou par exemple lui conférer provocation, ou lui conférer de l'attaque. Enfin, vraiment, c'est un deck où vous avez vraiment le choix selon la situation. Le prêtre, c'est une classe, enfin, c'est un héros qui se soigne et qui, moi je trouve que qui est vraiment orienté contrôle. C'est ce que j'adore. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez piquer les créatures adverses avec son contrôle mental, ou se soigner tout simplement. Le voleur est expert sur déjà, on va pas jouer en expert, déjà nous on va jouer en normal parce que c'est un deck vraiment que j'ai jamais joué avec, donc on va jouer simple. Donc voilà, j'étais au voleur, le voleur qui s'équipe des dagues, qui attaque furtivement, on va dire en quelque sorte, qui utilise un peu les unités camouflées. Donc voilà, donc je connais pas trop le voleur, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, hein. J'ai des cartes, mais c'est vraiment pas une classe qui, moi personnellement, qui m'attire. Le paladin, une classe que j'ai vraiment beaucoup beaucoup joué, j'adore cette classe. C'est une classe moi qui trouve très forte, hein. Franchement j'adore. En fait, c'est le paladin, c'est une classe qui permet de offrir un bouclier divin. Un bouclier divin, je vous expliquerai au temps venu dès qu'on en verra une. Et qui permet aussi d'invoquer des créatures assez facilement, et qui permet aussi de booster ses créatures assez fortement. Donc voilà, il a un sort, je sais plus, c'est un truc de. Enfin, une carte qui permet de offrir 4 attaques et 4 PV à un serviteur, donc c'est vraiment énorme. Voilà, le démoniste qui se sert beaucoup de sa main, c'est-à-dire qu'il se défausse de sa main, ou soit il s'inflige des points de vie pour invoquer des créatures fortes à bas coût, ça veut dire avec des points de mana. Vous allez voir, je vais vous montrer durant la partie. Donc là, je sais pas du coup contre qui on va jouer. Vous savez quoi, on va jouer contre un autre chasseur, hein. Je sais pas, non, je sais pas en fait, je sais pas. Ouais, on va jouer contre un autre chasseur, donc ça sera un match miroir. J'aime bien faire les matchs miroir, je sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est parti, on va jouer. Donc voilà, donc là, ça va charger la partie. Comme Hearthstone, c'est vraiment un jeu que j'adore, hein. J'adore ce jeu, j'y joue beaucoup en ce moment. En complément, je joue toujours à League of Legends, et je joue aussi à Smite. Bon, peut-être que je vous présente. Donc là, c'est un deck lâché des chiens, vous allez voir que voilà. Donc dès que vous commencez la partie, donc là vous voyez que je suis deuxième joueur, c'est pour ça que j'ai 4 cartes. On a la possibilité dans Hearthstone, quand vous commencez la partie, de changer vos cartes. Alors par exemple, je n'ai pas besoin de deux fois lâcher les chiens, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remplacer une. Voilà, je clique sur OK, et cette carte va repartir dans mon deck. Il va m'en donner une au hasard, hein, parmi les cartes que j'ai. On va voir sur quoi je vais tomber. Ah voilà, donc là voilà, c'est vraiment un deck assez agressif. Vous voyez que quand vous commencez en deuxième joueur, donc là il invoque une créature charge. Donc là, on va le laisser jouer vu que c'est le premier tour, et là je vais vous expliquer voilà l'interface, qu'est-ce qui se passe. Alors vous voyez que là, ici, vous avez votre héros. Là, vous avez le héros adverse. Vous avez les points de vie de votre héros. Donc là, vu que cette créature avait charge, la possibilité de m'attaquer directement dès qu'il l'a invoqué. Donc c'est ce qu'il a fait. Voilà. Chaque héros a la possibilité, a un pouvoir héroïque. Voilà, par exemple, le chasseur. Lui, ça coûte 2 points de mana. Donc les manas, c'est ici, à chaque fois que vous commencez un tour, vous gagnez un point de mana. Donc là voilà, vu que c'est mon premier tour, je n'ai qu'un seul point de mana. Et le pouvoir héroïque du chasseur, c'est tir assuré. Voilà, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Donc voilà, ça permet de faire des dégâts. C'est beaucoup de dégâts, hein. 2 dégâts, je trouve que c'est assez beaucoup. Donc voilà. Donc là, on voit que j'ai beaucoup de cartes. Je crois que le maximum de cartes dans la main, je sais pas du tout en fait. Franchement, je sais pas du tout. C'est vrai qu'une fois, j'avais tellement pioché quand j'étais prêtre que j'avais beaucoup de cartes dans ma main, et ça détruit votre carte dès que vous êtes en main. Enfin, vous pouvez plus avoir de cartes dans votre main, ça détruit la carte que vous piochez. Alors faites très attention. Dès que vous êtes deuxième joueur, vous avez une carte qui s'appelle la pièce. Voilà, qui coûte 0 de mana. Donc là, chaque carte a un coût. Voilà. Donc c'est marqué en haut à gauche de la carte. Donc là, vous voyez par exemple jeune faucon dragon furie des vents. Donc là, dès que vous placez le curseur sur la carte, vous voyez l'effet furie des vents. Le furie des vents permet d'attaquer 2 fois par tour. Voilà, donc assez puissant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je crois que je vais invoquer une créature. Je vais invoquer lui.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On réfléchit. Donc là, je suis une partie contre l'IA. C'est pour vous, on est posé, ça permet de vous expliquer. Donc j'espère qu'au moins, du moins j'ai été clair sur les explications que je vous ai dit. Alors charge, je vous ai dit ce que ça fait. Ça veut dire qu'elle permet, voilà, peut attaquer immédiatement. Le piège ivrant, les secrets. Voilà, il y a certaines classes, pas toutes. Enfin, je crois que pas toutes. Par exemple, le démoniste. Et le guerrier, je crois qu'ils n'ont pas de secret. Aussi, le voleur n'a pas de secret. Enfin bref, les secrets, ça permet de, en fait, de. Là, vous voyez toujours l'effet de la carte qui est au centre. Là, par exemple, on va lire la carte. Je sais ce que ça fait, mais comme ça permet de vous expliquer. Quand un serviteur adverse attaque, le renvoie dans sa main et le préfet est dans la main de son propriétaire et il coûte désormais 2 cristaux de plus. Ah, ça, c'est une carte assez sympa qui peut, par exemple, se dire que si je la joue et qu'il m'attaque, il va au lieu de coûter 2, enfin, la carte va être renvoyée dans sa main et elle va coûter 2 mana en plus, c'est-à-dire qu'elle va coûter 3 mana. Donc, c'est assez intéressant. Une carte assez défensive pour un deck. Là, c'est chien. Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu, donc c'est, j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, c'est un free to play, les amis. Vous pouvez jouer gratuitement sans débourser un centime. Donc, moi, personnellement, j'ai acheté des cartes. Enfin, l'ouverture d'un booster, enfin des boosters, des 15 boosters que j'ai acheté plus tard. Et on verra ce que j'ai obtenu. Donc là, ce qu'on va faire, alors on peut jouer cette carte, mais bon, ça m'embêterait. On va jouer la pièce. Voilà, on va jouer la pièce. Dès que vous voulez jouer une carte, vous voyez que là, ça m'a donné gagné un 2, 2. J'ai 2 de mana, uniquement pour ce tour. Donc je ne conserverai pas le point de mana. Et là, je vais pouvoir jouer cette bête. Donc là, il suffit de prendre une carte, de la poser, voilà, et ça l'invoque. Alors chaque créature a. Hormis ceux qui ont charge, et ben ils sont dès que vous les invoquez, ils sont en mode sommeil. Vous voyez que là, il y a une espèce de Z là il est en train de dormir. Et de se dire que je ne peux pas l'utiliser. Voilà, donc là, j'ai fini mon tour, je ne peux plus rien faire. Vous voyez que j'ai plus de points de mana, donc on va finir mon tour et on va voir ce que mon adversaire fait. Donc là, il invoque une créature, donc le cri de guerre, voilà, nouvelle carte, cri de guerre, se dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cri de guerre? Ça veut dire. Bon, là, c'est à mon tour de jouer, voilà, je pioche une carte à 6 points de mana. Donc le cri de guerre, ça vous permet en fait dès que la carte est invoquée, et eh ben ça fait quelque chose. Donc pour cette carte-là, se dire que il pioche une carte. Donc là sûrement il va aller me la tuer. Moi je vais aller chercher le kill. Je sais pas si je vais, j'hésite. Alors se dire on va essayer au maximum de conserver nos créatures. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, on va lui infliger des dégâts et on va l'attaquer directement. Voilà. Donc vous voyez que j'ai infligé 2 points de dégâts et 3 points d'attaque. Voilà, j'ai oublié de vous préciser. Vous avez les points de vie de créatures en bas à droite. Vous avez les points d'attaque des créatures en bas à gauche. Tout simplement, ça veut dire que là, s'il m'attaque, il va me détruire ma créature. Mais lui, il va mourir aussi parce que ma créature a 3 points d'attaque et que sa créature a 2 points d'attaque. Donc il y a la possibilité aussi de jouer un sort pour me détruire ma créature qui a 1. On verra bien ce qu'il fera. Allez, on passe notre tour. J'essaie aussi, les amis, d'être le plus clair. Ah, chef de raid qui confère un point d'attaque à toutes les créatures. Voilà, il se sacrifie, c'est ce qui était prévu. Et pour l'instant, il m'a pas invoqué beaucoup de créatures. Ah, voilà, la chouette qui réduit au silence. Hein, ça veut dire que, par exemple, si je pourrais l'invoquer, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je réfléchis. Non, ce n'est pas ce que je vais faire. Je pense que je vais jouer mon piège givrant. Parce que je pense quand un serviteur attaque. Ouais, ok, je vais jouer mon piège givrant. Et je vais, je sais pas, ouais, je vais jouer mon piège givrant. Et on va invoquer cette créature. Voilà, furie vivant qui permettra d'attaquer deux fois. Donc là, s'il attaque, il m'attaque directement. Et ben, il va subir mon piège. Voilà, secret, hop, il s'active. Voilà, ça va le renvoyer dans sa main. Comme ça, lui, il bénéficiera plus d'un point d'attaque. Ah, par contre, il a ça. Ah, par contre, ça m'embête. Ça m'embête. Ah, ok, il a utilisé un sort pour détruire ma carte. Il a vidé sa main. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Flèche multiple. Ah oui, très bon sort. Voilà, qui coûte 4. Inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs aléatoires. Bon, là, c'est pas tellement aléatoire parce qu'il a que 2 serviteurs. On va l'utiliser pour se défendre. Et une fois qu'on aura beaucoup de mana, vous allez voir, je vais sortir pas mal de créatures. Pour l'instant, on va passer notre tour. Normalement, ce qu'il devait faire, c'est. Bon, il m'inflige 3 points de dégâts. Est-ce qu'il va jouer une créature? Ouais, il joue encore le loup des bois. Ok, ça marche, y a pas de problème. Y a pas de problème. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va jouer. Est-ce qu'on va jouer? Je ne sais pas. J'ai envie de faire ça.
je vais faire ça. Voilà. Alors cette carte, à chaque fois que j'ai invoqué un monstre de type bête, et ben je vais piocher une carte. C'est un monstre de type bête, je vais piocher une carte. Voilà, vous allez voir que ça va s'illuminer. Voilà, je pioche une carte. Ah voilà, la particularité, j'ai mis cette carte, normalement on le met pas dans le deck lâcher les chiens. Mais je voulais vous montrer, donc ça c'est une carte, c'est une arme, voilà, qui va se placer ici, ici pour mon adversaire, et qui permettra à mon héros, d'attaquer soit une créature ou soit directement de soit le héros, soit une créature adverse. Par contre, par exemple, imaginons que je l'ai équipé et que je veux tuer cette créature, je subirai quand même un point de dégâts de la créature, hein, il faut le savoir. Donc voilà, donc là je connais pas cette carte, je vais la lire en même temps que vous, c'est la première fois que j'utilise. Alors chaque fois qu'un secret est révélé, gagne plus 1 durabilité. Ah oui les amis, j'ai oublié de vous expliquer, les armes ont une durabilité, là comme vous pouvez voir en bas à droite, c'est 2, donc c'est-à-dire que je pourrais utiliser cette arme que deux fois, à part si vous avez une carte, comme par exemple le voleur a une carte qui permet d'augmenter la durabilité d'une arme. Donc là je pourrais utiliser lâcher les chiens, c'est pas ce que je vais faire, on va attendre de voir ce que mon adversaire fait. Donc là il utilise le type, ok, il vide la table, d'accord, pas de problème. Au prochain tour je pourrais invoquer cette créature, une grosse créature. Donc là qui a une râle d'agonie. Donc le râle d'agonie c'est qui fait quelque chose quand la créature meurt. Bon râle d'agonie invoque 2 yens de 2. Donc ça veut dire que si cette créature meurt, et ben je gagnerai 2 créatures supplémentaires. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais l'invoquer, voilà. Je vais l'invoquer parce que cette créature fait peur. Cette créature fait très peur, mais enfin du moins même moi elle me fait peur. Oula, il joue une créature très forte, il va falloir que je fasse attention. Ok, sacrifie sa créature, sacrifie sa deuxième créature, ok. Là je vais sacrifier volontairement ma créature contre sa grosse créature, son chien du magma. Et je pense que je peux même faire mieux. Oh, je peux faire mieux, je sais pas. Non, on va garder nos créatures, on va pas invoquer de créatures. Par contre je vais poser mon arme, voilà. Ce que je vais faire c'est qu'avec mon héros, vous voyez que là, je vais attaquer son héros. Voilà, je vais faire moins 3 points de dégâts. Donc le but du jeu hein, les amis, hein, comme vous aurez pu le deviner hein, c'est de mettre les points de vie du héros adverse à 0. Et de ne pas essayer de perdre tous vos points de vie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sacrifier comme vous pouvez voir ma créature. Là 6 points d'attaque et que le chien du magma a que 5 points de vie. Du coup je vais pouvoir le détruire. Et comme ça moi j'aurai ma rage d'agonie. Voilà, vous allez voir. Et il va avoir deux créatures, deux yens, voilà. Et je vais lui infliger 2 points de dégâts avec mon héros. Donc là j'espère qu'il va pas poser une créature provocation. C'est vrai qu'on en a vu une en face. J'ai oublié de vous l'expliquer, excusez-moi les amis. Donc là ouais, ça va. Ça me pose pas de problème. Ok, il m'inflige 2 points de dégâts. Ça me pose non plus pas de problème. Alors ce qu'on va faire, alors c'est quoi ça déjà? Quand votre adversaire joue un serviteur, lui inflige 4 points de dégâts, ok, c'est assez sympa. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un gros combo là les amis. On va faire ça. Oh mince, c'est mal joué. Oh non, c'était très mauvais ce que j'ai fait. Ah non, quoique. Bon, on réduit aussi, c'est pas grave. Là je vais lui faire beaucoup de dégâts en un tour, vous allez voir. Et on va faire lâcher les chiens. Comme ça, ils disposent de charge plus 1 d'attaque. Et là, bah, là franchement, je vais pas vous le cacher, mais ça va faire très mal, quoi. Et c'est gagné. Et c'est gagné, les amis. Voilà. Bon, c'est un adversaire IA en mode facile. Il n'y a pas vraiment, de difficulté. Donc là, voilà, je passe le niveau 9 avec le chasseur. Avant de vous quitter, donc là, voilà. Donc là on va faire retour, voilà, avant de vous quitter les amis pour cette première vidéo, je vais vous montrer, voilà. Donc chaque classe a un niveau, voilà. Donc je sais pas du tout c'est quoi le niveau max, je me suis pas du tout renseigné. Pour l'instant vous voyez que la classe que j'ai beaucoup joué c'est le paladin, je suis niveau 18. Donc pour gagner les cartes de classe, en fait tout simplement les amis, une fois que vous êtes niveau 10, vous aurez toutes les cartes de classe de base. C'est-à-dire que, voilà, vous avez compris en tout cas ce que je voulais dire. Donc voilà, vous voyez que niveau total, je suis niveau 78. Je suis niveau 78. Donc là, c'est le total cumulé. Donc vous voyez que le mage, en fait, au début, vous ne débloquez pas tous les héros. En fait, au début, je sais pas si c'est tout le monde pareil, enfin je pense. Vous avez une espèce de...
enfin on va dire de tutoriel où vous affrontez des personnages connus, enfin je pense connus, par exemple parce que vous avez Illidan, connu de l'univers Warcraft, et c'est une espèce de mini quête solo, et à ce moment-là vous, bah, vous débuterez, vous avez un tutoriel au début du jeu qui est assez basique. Enfin, qui est assez intéressant, qui permet vraiment de débuter le jeu assez correct, on va dire. Vous avez aussi, les amis, un système de quêtes. Alors, c'est-à-dire que chaque jour, par exemple, vous avez enfin, moi, chaque jour, je débloque une quête. Bon, je l'ai fait celle aujourd'hui. Donc, c'était aujourd'hui la quête que j'avais, c'était obtenir 2 victoires avec le prêtre. Du coup, bah, avec mon deck prêtre, j'ai gagné 2 fois. Du coup, j'ai gagné du gold là. Comme vous pouvez le voir ici, vous gagnez de l'or. L'or permet de soit d'aller jouer en arène, un mode que j'expliquerai plus tard si j'ai la possibilité de vous faire une vidéo dessus. Bon, je pense que j'aurai la possibilité et je pense que ça serait assez sympa de faire une arène en votre compagnie. Vous avez aussi, vous avez la boutique donc, qui permet d'acheter des paquets. Donc, à savoir que 100 gold. Sans gold, vous pouvez la possibilité d'ouvrir un paquet. Après, vous pouvez aussi acheter des paquets avec de l'argent réel. Vous pouvez aussi acheter avec des gold. Mais à savoir que les gold montent beaucoup. Ça met assez longtemps pour avoir un paquet. Donc c'est vrai que c'est pas un pay to win, parce que j'avais lu sur le forum de la BlizzCon que il y a 40%. Des personnes qui jouent à Hearthstone qui sont Master 3 étoiles, c'est-à-dire le grade le plus haut en classé, et qui n'ont pas dépensé un centime dans le jeu. Voilà, c'était vraiment une statistique que je voulais vous parler. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter le jeu. Vous inquiétez pas, il y aura des vidéos prochainement. Donc là, je pense que je vais enchaîner les vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez aimé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Je vous remercie, salut tout le monde. C'était BleuBS. Et n'oubliez pas une chose, voyez la vie en bleu. Salut tout le monde.